Welcome to the Infinity World. Origin Studios and Delta Main. J'ai lu un jour, les bons souvenirs durent longtemps, les mauvais plus encore. Alors que d'autres le cherchent encore, moi, j'ai connu l'amour, cette dangereuse inclination. On dit qu'il n'est pas fait pour tout le monde, et c'est vrai. J'aurais pu le vivre pleinement et sortir de ce gouffre infernal qu'était ma vie. Mais l'impatience et la vanité m'ont aveuglé. Je ne pourrai vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne pourrai justifier mon acte, malgré les années qui se sont écoulées. On dit qu'il est facile d'agir, de décider, d'imposer notre volonté aux autres pour survivre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les souvenirs, eux, sont éternels. Pas dire qu'il y a grand chose là-dedans. Quand je regarde, on peut tirer pour environ 8-9 feuilles maxi, et là c'est si on dit le tout un bon élément. Ok les gars, c'est du bon boulot. Marco, on dirait que le mec l'a même fait qu'il te regardait. Hein? Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Bon, Mimu, je suis à côté. Donc, j'imagine bien que vous avez remarqué que je vous fixais depuis un moment. Oui, oui, c'est vrai. Je mentirais si je prétendais le contraire. Voilà, c'est parce que ça fait quand même un moment que je vous ai vu passer la dernière fois et depuis vous m'avez marqué. Et puis je vous cherche jusqu'à... Maintenant. Exactement, maintenant. Bien qu'il y a une entrée récente là, vous êtes en train de la célébrer, c'est non, bien. Non, c'est pas grand chose. Oh, ferme-la. Elle n'a pas à connaître les détails. Et tu fais quoi ici, toi? Bon, je passais par, là et place. Je vous ai aperçu, donc je peux m'arrêter, vous voir. Enfin, il y a aussi un masque là. Cercueil. Oui. Va lui prendre quelque chose à boire. Alors, dites-moi un peu, de quoi parlez-vous et c'est quoi le programme? Tu ne sais pas de quoi tu parles, ma petite. Continue à être l'enfant exemplaire de la famille. Et cherche la connaissance
pour continuer le cycle de l'esclavage tranquillement. Il ne me suit pas. Il y a longtemps que je brave les règles. Parce que moi, je veux créer mes propres lois et devenir mon propre maître. Oh, tu sais bien que je veux l'être. Ne fais pas comme si je ne vous avais jamais donné un coup de pouce. Arrêtez quand même. Ce n'est pas un monde pour les petites. Cercueil. Trouve-toi plutôt un vieux pervers comme les autres pour faire les bébés. Jusqu'à ce que tu te fasses pousser les couilles. Parce que la nourriture solide, c'est pour les adultes. En plus d'être méprisant, tu es misogyne. Non mais, attends Tony, tu sais, tu es peut-être mon grand frère. Mais sache que tu n'es qu'un sale con, tu comprends? J'en ai marre de tes insultes. Voilà ta boisson, merde. Je me casse. Les petites ingrates comme ça là. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il fallait être dur avec elle. Justement, je lui ai tout donné. Je veux le yaourt. Tiens. Je veux les bonbons. Tiens. Je veux. Tiens. Tiens. Je veux le J5. Je monte sur le terrain. Je travaille ça propre. Le lendemain, elle a un nouveau col. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Dani, va vous chercher quelque chose à manger ou à grignoter. Je dois parler à ton frère. D'accord, mon ami. Minko, je sais que vous êtes encore jeune, que vous vous attardez encore sur des futilités avant de faire de bons choix. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est votre époque. Daniel est tout ce que j'ai sur cette terre. Il a grandi sans son père. Donc ce vide-là fait en sorte qu'il fait confiance à n'importe qui. Tu es son frère. Lui, il t'écoute mieux que moi. Prends soin de ton frère. Surveille-le. Promets-moi que tu vas le faire. Ok, maman, je te le promets. Je ferai de mon mieux. Allô Muriel, c'est Dani. Oui, je sais, j'ai ton numéro. J'espère que je ne dérange pas. Oh, du tout, je faisais rien d'intéressant. Ah ok, c'est parce que je pensais que, vu que tu ne décrochais pas, je pensais déjà raccrocher. Ok, ravi que tu ne l'aies pas fait. À la claire chambre que m'en allant promener, j'ai trouvé l'herbe si bonne que je me suis pété. Il y a longtemps que je Tony, tu peux m'avoir de quoi appeler le taxi demain. Je n'arrêterai. Tony, je te parle. Oh, c'est quoi là? J'ai besoin d'argent de taxi parce que demain j'ai examen. Oh, assieds-toi convenablement, assieds-toi bien. Tu sais, je m'occupe de cette famille depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et toi, tu ne te gênes jamais de me rappeler que tu es déjà une grande fille. Je dois encore m'occuper de toi, de la vieille et des petits. Et tous ces gars avec qui tu sors là, ils ne peuvent pas te payer ton putain de taxi? Tu te sens obligé de parler ainsi. Je sais qu'ils ne sont pas riches. Tu es mon grand frère. Vers qui d'autre vais-je me tourner pour demander le taxi? Ton grand frère? Donc, quand tout est au calme, je ne suis pas misogyne ou un sale con. Je suis ton grand frère. Tu te souviens que je suis ton grand frère quand tu es dans le besoin d'argent? Allez, débrouille-toi. Tony! Écoute, je crois que je mérite un minimum de respect dans cette maison.
Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le chef dans cette maison. C'est moi qui fournis tout ce qu'il faut ici. C'est moi qui remplis le frigo. Je pourvois tous tes besoins. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qu'on gâte le plus dans cette maison. Tu es la personne qui doit le plus me respecter avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu sais juste demander. Tu es toujours dans une position de recevoir. Tu sais comment on travaille 100 francs? Tu sais comment on fait pour gagner 100 francs? Lorsque tu veux réussir dans la vie, petite sœur, tu dois le prouver à l'univers pour qu'il réagisse en ta faveur. Quand tu veux sortir de la dure, tu dois faire des sacrifices. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas écouter tes émotions. Tu ne dois pas avoir peur. Et surtout l'amour. C'est une faiblesse qui paralyse le potentiel lorsqu'on n'a pas la force de le contenir. Tu veux réussir? Tu veux mériter le bonheur? Être forte et indépendante? Alors ferme les yeux et demande-toi si la vie qu'on a là te convient vraiment. Et pour en sortir, jusqu'où serais-tu prête à aller? Il y a Muriel qui dit qu'elles arrivent déjà. Non, mais c'est pas comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Comment tu vas nous faire attendre des go pendant une heure de temps? C'est pas bien comme ça. Comment veux-tu qu'elles nous respectent après? Depuis là, on est là, on wait. C'est pas bon. Ah, mais franchement, tu sais, ce sont des filles. Elles ont besoin de se pomponner, se faire belle, se maquiller, tout ça. Ça prend du temps. Moi, je suis pas dedans. Normalement, c'est juste parce que tu es un frangin, quoi. Sinon, sincèrement, moi, je me serais cassé depuis. Ah, comprends ça comme ça, mais bon, attends. Ouais, attends, elle vient de m'envoyer le message, elles arrivent déjà. Non, tu vas nous faire attendre comme ça. Ah, sérieux? Tu peux nous faire attendre comme ça là, depuis là, à cause de... Je sais même pas. Elles sont là, c'est bon. La villa, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Pastangoso. Teron pasangusu, pasangusu. Teron pasangusu, pasangusu. Teron pasangusu, pasangusu.
Iron Pasnangusu, 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 elle aime Pasnangusu. Baby Molo Molo, tu sais très bien que depuis Kala Kala, à cause du colo, tu restes là là. Baby doucement, baby doucement. Bro, je te présente Muriel, ma petite chérie. Bien au contraire, comme moi, je suis sûr, toute ta famille est blasée. La villa, ce n'est pas bon. La villa, ce n'est pas cool. Non mais les filles, ça fait une heure qu'on vous attend. Une heure, vous vous rendez compte? Alors qu'il est en sortie même partie. Mais on t'a dit qu'on arrivait, non? Ouais, t'avais pas confiance. Et puis lorsqu'on est amoureux, ça s'installe. Oui, mais quand même, quand même. Oh chérie, comment quand même? On dirait que la passion chez toi est comme une diarrhée qu'il faut vite pousser. Non mais c'est pas la torture. Non mais en même temps, moi je pense que ça dépend de qui on attend. Et tu peux pas venir, tu es en retard, tu prends la peine de t'excuser, tu viens parler des gens de diarrhée qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis censé comprendre par là? Qu'est-ce que tu es censé comprendre? Vous savez tout dire, il y a des gens qui le méritent et des gens qui ne méritent pas, qu'on les attend. Attends, tu crois que je ne suis pas bien pour Dani? On t'entend parler. Mais en m'entendant parler, toi-même, tu penses quoi? Parce que c'est normal ça, tu viens, tu sais pas, tu prends tout ton temps parce que tu es en train de te faire belle, regarde, tu fais à porter pendant 10 heures. S'il te plaît, moi, non, regarde. Mon kit, c'était déjà. Dani, c'est quoi ça? Il y avait problème de taxi. Je suis arrivée là, ce n'était pas pour venir chamailler avec quelqu'un. Dani, mais tu viens pas, c'est l'heure. Bébé, franchement. Yo, bonjour. Mec, tu dois lui dire que l'heure, c'est l'heure. Oh putain, je vous invite. Comme ça. Dani, moi je ne suis pas arrivée ici là, si vous me chambez avec quelqu'un, donc il faut essayer de gérer ça. Franchement, tu n'as pas tes enfants ici et tu viens parler des bagarres. Non, mais c'est sérieux. Non, je vous invite ici. Pourquoi tu t'attaques à moi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi il fait comme ça? Je ne suis pas gentille. Tu ne sais pas la circonstance. Écoute, regarde, elle est jolie, elle est bien, elle est polie. Écoute, c'est quelqu'un qui t'a dit. Je vous invite ici, c'est parce que je voulais qu'on passe du temps ensemble, que vous fassiez connaissance. Tu vois, là, maintenant, ça part en couille et ça me fatigue. Bon, en tout cas, bref. Qui a envie de grignoter quelque chose? Parce que là, je m'en vais prendre un truc. T'as raison. Amen. Elle est agitée. Je t'accompagne. Je ne sais pas si c'est Tony ou Miko. Tu vas me dire un peu ce que tu as contre moi. Franchement, je comprends pas ton attitude. Pourquoi tu es collé à moi comme ça? Ça ne te regarde pas. Non, mais je m'assois où je veux. Pousse-toi, je suis chez Dani, je ne suis pas chez toi. Donc tu n'as pas à me demander où je dois me disposer, s'il te plaît. S'il te plaît, pousse-la. En fait, tu m'entends. Rien de truc, en fait. C'est quoi? C'est que en toi, il y a quelque chose de louche, quelque chose qui n'est pas bien. Tu dégages une mauvaise onde. Et j'aime pas ça. J'aime pas te sentir à côté de mon ami à côté de ça. Tu vas lui faire du mal, j'en suis sûr. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme l'impression que tu voulais vraiment être à la place de Dani. Non, mais franchement. Je sens une sorte de jalousie qui rugit en toi. En fait, tu te moques de toi-même. C'est ça. Je regarde, mille fois encore, je préfère ta copine. N'est pas toi. Tu es un peu trop sauvage. J'aime pas les filles sauvages. Ce que tu dégages, j'aime pas. C'est clair, faut comprendre ça comme ça. Rien à voir avec la jalousie. Je te plaire pas, c'est tout. Je préfère m'éloigner. Ouais, vas-y. Bonsoir, bébé. Bonsoir. Tu es ravissante. Mais vas-y, rentre, ne reste pas là. Ok, merci. La fameuse robe rouge. Waouh! Non mais je rêve! C'est quoi ça? Comment ça que c'est quoi? C'est de l'argent? Ça se voit pas? Waouh! Non mais, à qui est-ce que tu as volé tout ça? Volé? Comment ça volé? C'est de l'argent que j'ai travaillé. C'est le fruit de mon labeur de ces 4 derniers mois. Et voilà quoi, donc je vais profiter pour pouvoir peut-être lancer une activité. Non mais... Je suis excitée. Non. C'est la première fois que je vois cette somme. Ah t'inquiète, c'est rien ça. J'en veux encore plus. Bon allez, il faut qu'on se dépêche, maman nous attend. Une minute.
Maman, on sent que tu as toujours la touche. Tes plats sont toujours aussi magnifiques. Merci, mon fils. De tels plats d'amour ne seront plus un problème pour toi, vu que désormais tu as une fille que tu aimes et qui t'aime, je suppose. Elle te fera aussi des plats. N'est-ce pas, ma fille? Ma fille! Excusez-moi, vous disiez? Je parlais de la cuisine. Vous allez lui en faire, n'est-ce pas? Oh non, non, moi je ne peux pas, pas. On va bien trouver quelqu'un d'autre pour le faire, ou bien on est au restaurant, c'est mieux ainsi. Hein. Ça y est, maman, la table est débarrassée. Tu es sérieux, Daniel? C'est cette fille-là que tu voulais me présenter? Une des vergondées qui vient me citer jusque chez moi? Hein, Daniel? Une fille qui n'est même pas capable de te faire à manger quand tu vivras avec elle? Mais maman, laisse-lui le temps, c'est encore une petite fille. Elle aura le temps de grandir. Comment ça, Daniel? Tu emmènes une fille chez moi que tu prétends dire une enfant? Es-tu devenu un pédophile? Aurais-je élevé un pédophile? Tu couches maintenant avec les enfants, Daniel? Si c'est un enfant encore dans ce cas, laisse-la grandir au lieu de venir m'insulter mais chez maman, moi. Maman, s'il te plaît. Ah, ferme! Daniel Meunier, je ne t'ai pas élevé comme ça. Attends bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais la tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me reproches au juste? Tu me reproches quoi au juste? Tu oublies tout ce que tu viens de me faire devant ta mère? T'es incapable de me défendre? Elle me traite du moins que rien et tu es là, tu regardes. Et tu passes ton temps à me dire je t'aime, offrir des cadeaux. Attends, à quel moment je sens que tu m'aimes? À quel moment je sens que tu m'aimes, dis-moi? Après tous les moments qu'on a passés ensemble, c'est comme ça que tu me traites? C'est comme ça, Dani? Non mais t'es sérieux là? Non mais dis quelque chose, franchement je suis scandalisée. Bébé, attends, c'est quand même ma mère. Je vais pas me froisser avec elle pour... Pour qui? Non, attends. Donc, tu veux dire que tu peux pas le faire à cause de moi, c'est ça? Daniel, non, c'est tout ce que je représente pour toi. Et après, tu diras quoi? Merci. Merci pour ta distinguée considération que tu m'offres, mon soi-disant amoureux. Bébé. Lâche-moi, je suis pas d'accord, lâche-moi. Non, calme-toi. Lâche-moi. Attends. Tout le temps, c'est la même chose. Je suis pas d'accord. Prends le temps d'écouter, s'il te plaît, bébé. Attends, prends le temps de m'écouter. Juste t'explique. Jusqu'à quand? Après, tu as mis que je t'aime, je te jure, mais à quel moment je le ressens? C'est ça? C'est pas seulement les paroles, mais je veux les actes. C'est ma mère, je veux pas faire ça. Prouve-le-moi. Oh là là. Attends, j'arrive. Calme-toi.
Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? C'est pourquoi? Je suis venu voir ma soeur. Votre soeur? Ouais. C'est qui votre soeur? Ben, il y a une fille à l'intérieur. Vous vivez seul ici? Non, je ne sais. C'est ma soeur, allez-y, la chercher. Muriel, c'est votre soeur? Ok, un instant, s'il vous plaît. Bébé, il y a ton frère à la porte. Tony? Non, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tu me demandes? Non, mais. Je savais même pas que j'avais un frère. Tony? Toi ici? Non, mais je crois pas, mes yeux. Waouh! Non, mais. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? La vie des bourgeoises et de nouveaux riches. Félicitations. Non, mais de quoi tu parles? Je te suis pas, s'il te plaît. Et défie-moi là, je comprends rien là. Ne joue pas ça avec moi. Ne joue pas ça avec moi, petite sœur. J'ai vu ta récente publication sur Facebook. Alors, comme ça, madame veut se la péter et garder tout l'argent pour elle. Donc, tu me fais mal, arrête. L'argent ne m'appartient pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Quoi? Il est à mon gars. Tu as toujours cet argent avec toi? Je ne l'ai pas. Je te dis la mongar. Il n'est pas sur moi. Mais Muriel, tu continues encore à te faire avoir par tous ces hommes-là qui passent leur temps à profiter de toi et te jeter comme une merde après? Aujourd'hui, tu profites encore peut-être. Mais demain, lorsque tu te rendras compte que ce n'est qu'un salaud de plus, c'est dans mes bras que tu viendras pleurer. La famille, Muriel, la famille, c'est la seule chose pour laquelle tu devrais te battre, comme je n'ai jamais cessé de le faire. Quel genre de personne veux-tu être? Quel genre de vie veux-tu avoir, petite sœur? Tu veux continuer à être l'objet sexuel des hommes? Ou tu veux être la femme fière et indépendante, prête à faire tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'elle mérite? Pense à ça, petite sœur. Pense à ça. Dimensionne. Dimensionne. Dimensionne, petite sœur. Chérie? Oui? Tu peux deviner ce que j'ai mis en bas? En bas? En bas où? En bas. En bas, baba. Oh! Mmh. En bas? Mmh. Bah, je dirais. Tu diras. La dentelle bleue. Mmh. Toi, tu fouilles vraiment très loin, toi. Mmh. Ah, ça. Bon, ça me donne déjà. Ça me met l'eau à la bouche. Mmh. En fait, chérie, oui. En descendant du taxi, mon téléphone est tombé de la poche. Et c'est cassé. Ah, l'écran s'est cassé, il fonctionne toujours? Non. Il ne s'allume même plus. Non, il ne s'allume plus. Donc, il va falloir vraiment que je puisse avoir un nouveau téléphone pour te contacter, te dire voilà, on se restaurant. Voilà. D'accord. Et ton téléphone, tu voudrais quel téléphone? Moi, je veux un iPhone X Max. Ah, d'accord. Mm-hmm. Bon, en fait, normalement, tu sais, là, je suis en train de me chercher, tu vois. Je me débrouille, la structure, ça ne marche pas super bien. Et toi, tu me parles d'iPhone X. Tu sais combien ça coûte ça? Ça coûte un bras. Oh,
On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Bon, tu vas te prendre un allo ou bien on va essayer de réparer ton téléphone. Moi, un allo? Oui. Non, franchement, quand tu me regardes, je peux pas avoir un allo, toi aussi. Un allo? Tu sais, en ce moment, l'argent manque. Et en plus, maman ne va pas bien. Maman? Donc, encore maman? Vas... Attends, écoute-moi. Moi, je pensais que tu devais être une petite amie qui m'aide à me débrouiller, tu vois, qui m'encourage. Mais tu m'emmènes à faire des dépenses de 700 000, de 800 000 pour acheter un téléphone que tu ne sais même pas utiliser. C'est pas la peine, ça ne sert à rien, arrête. Bon, bref, j'ai d'autres choses à faire, l'argent ne dort pas. Muriel? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Il est où, Dani? Il n'est pas là. Je suis venue toute seule, il ne sait même pas que je suis ici. Et tu es venue pourquoi? Je peux quand même entrer. Vas-y, rentre. Me parler de quoi? De votre fils. Dani, il a un problème? Non. Il n'a pas de problème. Je suis juste venue vous prévenir d'arrêter d'être derrière lui comme ça. Il n'a plus l'âge d'être bouffé. Vous êtes comme une mouche à la fin. Arrêtez! Pardon? Oui, à chaque fois qu'il gagne son argent, c'est d'abord à vous qu'il pense. Donc moi qui suis censée être sa femme, moi qui suis à côté de lui, il me traverse pour vous. Couvé, sa femme. Tu n'as donc pas de respect pour de grandes personnes? Ça fait à peine un ou deux mois qu'il te connaît et tu me parles déjà de femme. D'abord, de un, Dani, c'est mon fils. Deuxièmement, tu n'es pas sa femme. Peu importe, deux semaines, un mois, Dani est mon seul. Et je ne vais laisser personne le ralentir, même pas vous. Est-ce que c'est clair? Tu n'as donc pas de scrupules, ma petite? Tu as l'audace de venir chez moi m'insulter. Mais pour qui tu te prends? Espèce de petite dévergondée. Pardon? Je ne te permets pas de m'insulter, tu comprends, non? Je ne suis pas née des oiseaux. J'ai une mère, moi aussi. Donc arrêtez, mesurez vos paroles. N'importe quoi. Une mère? Tu oui. Vois, j'en doute. Parce que si toi, tu avais une mère, tu ne serais pas ici en train de me parler comme ça. Et de sur quoi je suis la mère de celui que tu prétends aimer? Dans ce cas, respectez-vous d'abord. Le respect se mérite et ne se demande pas. Vous me critiquez à tout moment. Vous voulez quoi à la fin? Te critiquer? Mon Dieu. Bah oui, vous me critiquez. Tu passes ton temps à me critiquer par-ci, par-là. Tu veux seulement que Dani me laisse. Mais sois aussi, je vais veiller à ceux qui ne me lâchent pas. Tu comprends? Seigneur, je t'ai critiqué. Oh, pourquoi? Laisse ça, c'est pas les ouïa ouïa. Tous les jours, tu passes ton temps seulement à vouloir souhaiter le malheur de ton fils. Tu veux pas qu'il soit avec moi? À un moment donné, lâche ça. C'est quoi? Trouve-toi un mari à t'occuper de nous. Vous nous cachez la vie? Un mari? Vous avez osé! Hey, sors d'ici! Vous avez osé me gifler! Sors d'ici alors que je ne parle mes moyens! Vous allez le regretter, je vous assure! Vous ne connaissez pas ce que vous avez à faire! Thank you.
Allô maman, bonsoir, comment tu vas? Oui Dani. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je t'ai fait? Comment ça? Tu as décidé de me tuer, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas. Attends. Ta fameuse petite amie est de nouveau revenue ici à la maison me manquer de respect. Hein? Attends, c'est quoi cette histoire? Elle est folle ou quoi? Dani, ne m'oblige pas à blesser mon Dieu. Donc règle ça avec elle. D'accord. D'accord, maman, je vais régler ça. Prochainement, si elle ose revenir ici, ça va très mal se passer. Oui, maman, je vais tout arranger. Je vais tout arranger. Ok. Muriel. Oh, laisse-moi, tu sais pas... C'est quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé là-bas, donc arrête. Oh, je t'ai mis avec la mère, je vais commencer avec le fils, c'est quoi? Vous me cherchez quoi aujourd'hui? Tu connais ce qui s'est passé là-bas? Donc ta mère m'attaque, donc je dois pas me défendre, c'est ça? Et donc que toi, je n'en ai capable. Laisse-moi me défendre comme je peux. Attends. Je te signale que je m'assois sur mes fesses, pas sur ma bouche, tu comprends? Elle t'a dit qu'elle m'a giflé. Tu m'arrêtes ça, arrête. Je t'arrête quoi? Oh, j'en ai marre. Écoute-moi! Que ce soit ma mère qui est tort ou toi, tu lui dois du respect. C'est ma mère, tu comprends? Excuse-moi, chérie. Je ne sais pas ce qui m'a pris en fait. C'était pour défendre nos intérêts. Je te promets que je vais plus recommencer. Excuse-moi. C'est parce que je t'aime que je fais tout ça. Je demande encore pardon. Et essayons d'oublier ce jour, s'il te plaît. Je veux que on organise une petite sortie pour s'échanger d'idées. T'as quand même bien dormi? Non. Tu veux pas que je te fasse un café?
J'ai pas soif, j'ai pas faim. Je sens que tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est à cause de ce qui s'est passé hier. Franchement, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Si je t'aurais pas demandé de sortir avec de l'argent, je pense pas que ce malheur devait nous arriver. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'est pas ta faute. Ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Ça peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Libreville, est-ce qu'il est? C'est comme ça. Non, mais je suis toutefois désolée. Désolée. D'accord? Écoute, je suis en train de sortir et je vais voir mes parents. Je vais m'absenter pour quelques instants. D'accord. D'accord? Tu restes sage, d'accord? Allez, fais un petit bisou. Toutou, toutou. Pas peur, ok? On a déjà fait le plus gros, donc ne paniquez pas. Par rapport aux 2 millions qu'on a pris, hein, vous-même vous savez, comme d'habitude, j'ai pris 1 million que j'ai mis dans la caisse pour les problèmes qui peuvent survenir, la moindre éventualité, c'est avec ça qu'on va gérer ça. Maintenant, sur les 1 million restants, j'ai pris 600 000, c'est ma part. Toi, je t'ai remis de 200 000. Ça, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Okay. Hein. Donc, toi, il ne reste que toi. Je ne t'ai pas encore remis. Donc, tiens, ça, c'est ta part. Ok, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Je n'en crois pas mes yeux. Tony, après tout ce que j'ai eu à faire contre Dani, pour toi, Tony, c'est tout ce que tu vas me donner? 200 000 francs. Non, mais elle m'a donné. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu es en train de faire là. Je suis pas d'accord. Après tous les efforts que j'ai fait pour que ça marche. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. La seule chose que tu as fait, c'est nous apporter le pigeon. C'est moi qui ai fait tout le boulot. Tu devrais t'estimer heureuse que je t'ai donné 200 000 francs. Maintenant, si tu n'es pas contente, tu me restitues mon argent et je pars avec, ok? Mani, mais tu es bête ou quoi? Même quand on te montre la vérité devant tes yeux comme ça, là, tu refuses de voir. On te braque en compagnie de ta kankanga. Je ne sais à quel niveau. Alors, je ne sais qui. Après ça, elle s'en va. Elle t'abandonne. Toi, comme tu es toi, tu vois ça au calme. C'est tranquille, quoi. Hmm? C'est l'amour, elle te soutient, elle t'aime. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais Muriel est innocente, elle n'a rien à voir avec ça. Ça peut arriver à tout le monde et c'est une coïncidence. Mais tu m'as dit qu'elle n'a rien à voir avec ça, comment, Mani? Forcément, il y a quelque chose. C'est pas toi qui m'as dit que Noël, c'était maintenant le gain. Matin, le gain, à midi, le gain, le soir, le gain. Les téléphones, iPhone, oh les ceci, oh les cela, machin. Il manque seulement qu'ils te disent que maman n'a pas la nuit pour manger à la maison. Bon, bref, c'est pas ça le problème. En plus de tout ça là, peut-être qu'elle n'avait rien à lui demander. Moi, c'était pas la vérité. Elle t'a choc. Elle t'a pris comme son mougou. C'est ça, Mani. Tout demander, tu joues au chiche, fais comment? Oui, mais aujourd'hui dans Libreville, ça peut arriver à tout le monde, man. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui dans Libreville, qui ne peut pas se faire braquer? C'est juste une coïncidence si quelqu'un se fait braquer. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça a été une organisation ou quoi que ce soit. Là, tu réagis derrière comme si on t'avait même traumatisé, quoi. Oh, Mani, développe le mind. Tu veux pas développer le mind, comment, Mani? Oui, mais stop, là, c'est quoi? Oh! Oh! Mani. Donc là, tu me parles comme ça, là, à cause de la fausse ngala. Vrai, on dirait que tu te fâches même. La colère a même dépassé. Tu passes ton temps à sortir avec toutes les petites prostituées de nuit. Tu es là tout le temps à sortir avec des filles, des placements. Et puis tu dis que genre, c'est moi, tu veux me conseiller. Tu veux me conseiller dans quoi? Tu veux me conseiller dans quoi, même? Célibataire que tu es. Moi, j'aime ma go. Ok.
Il n'y a pas de soucis. Bon, pour moi, là, même, laisse à côté quand même, c'est tout. Mais donc, même la vie des mamans, sincèrement, la vie des mamans ne compte plus pour toi, quoi. Et d'ailleurs, même si mon modèle ne vous plaît pas, moi, je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre. D'abord, même, je me casse. Les gars, moi, il t'avertit, hein. Oui, il faut partir. Comme tu parles, il t'avertit déjà. Quand tu vas te rendre compte que ta sainte Marie, là, c'est une cancan racketteuse. Je te dis bien une cancan racketteuse. Faut venir passer à la télé, comme ça les mourous comme toi là vont être de plus en plus informés parce que vous êtes trop bêtes. C'est comme ça là qu'on vous ment n'importe quoi. Bon, je t'ai dit, man, il faut rester. Regarde, viens fermer ta porte. Faut venir fermer ta porte. Fais fermer ta porte. Mais vraiment, quand vous avez pas, tu ne veux pas comprendre. Là, c'est quoi? C'est comme ça là que vous êtes. Oh, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Mais ça fait longtemps. Quelque chose de la famille. Je peux quand même entrer, non? Oui, bien sûr, entre, vas-y. Mais tu étais où tout ce temps? En fait, désolé. C'est mon père qui était malade et maman avait besoin de moi à ses côtés. Elle ne pouvait pas gérer toutes ces situations toute seule. Donc, j'ai dû rester auprès d'elle pour l'aider à faire certaines choses. Donc, tout ce temps, je n'étais pas là. C'est à cause de ça, en fait. Des problèmes de famille. Oui, d'accord. Mais tu étais chez ton père. Tu t'occupais de lui et tout avec ta mère, mais... Je t'ai vu sur les réseaux sociaux, je t'ai vu sur Facebook, je t'ai vu sur WhatsApp. Même pas un message, même pas un signe de vie. Et tu trouves que c'est normal? Tu aurais dû me faire signe, moi. Oh, je crois que j'ai un petit besoin, j'arrive. Allô? Allô? Oh la Mininga, je sais que tu m'écoutes, je t'entends respirer là. Bon bref, après le coup avec ton Joe là, il y a un nouveau pigeon. Retrouve-nous vite au QG. Donc j'espère que tu seras là à temps. Tu m'écoutes non? Bon, en tout cas, j'espère que tu as bien reçu le message.
Ma petite sœur. C'est la merde. Dany sait tout. Quoi? Attends, bloque. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais comment il a su? Il a pris la paix des pistoleros. Putain, c'est pas possible. Cet idiot de pistolero. Je suis sûre qu'il va le dire à la police. Je veux pas l'en bon, c'est pas bien grave. On va devoir en finir avec lui. De toutes les façons, je n'ai jamais aimé ton mec là. Attends, qu'est-ce que tu me veux encore, toi? Hein? Dany, s'il te plaît, si tu m'as aimé même juste un peu, ne me dénonce pas la police, s'il te plaît. D'abord, le lundi, j'irai à la police et on va t'enfermer, espèce de voleuse. C'est quoi ça? Tu n'as même plus intérêt à me rappeler. Oublie mon numéro. Non, non, ne raccroche pas. Dany! Oh non, non. Il va vraiment falloir que tu me remettes mes clés. Je t'ai déjà dit, toi et moi, c'est terminé. Je sais pas ce que tu fous encore ici. Tu vas devoir sortir d'ici. Et vite. Je m'en irai d'ici que lorsque tu auras renoncé à me dénoncer. Je t'ai pourtant demandé cet argent, Dany. Mais comme tu as joué aux chiches, nous en sommes là. Des chiches? Il n'était pas à toi cet argent, ni à nous. Il était à moi seul, ok? Est-ce que tu comprends? Tu as tellement été mal élevé par tous les autres hommes qui passent leur temps à te donner de l'argent pour coucher avec toi que tu penses que je suis de cette académie. Je suis ta copine. On a fait un mois ensemble. Peut-être même plus. Mais tu trouves ça normal que tu gagnes de l'argent et toi, tu ne m'en donnes même pas un seul sou. Aujourd'hui, moi je vois la plupart des gens qui sont autour de moi. Leurs femmes, ce sont des soutiens pour eux. Ils investissent ensemble, que ce soit en argent ou en idées. Ils réalisent des trucs. Mais toi, la seule chose à laquelle tu me sers, c'est de me faire dépenser. Et tu penses que c'est ça une vie de couple? Je suis une belle femme, vois-tu? Je ne suis pas un objet sexuel. D'accord? Donc, tu es dans l'obligation de m'entretenir. D'accord? C'est clair? Muriel... Ce qui est sûr, c'est que tu n'es ni la plus belle, tu n'es ni la plus intelligente, et ça c'est clair, tu ne seras pas la première femme que j'ai eue dans ma vie, et tu ne seras pas la dernière. Donc, je te l'ai dit, dégage de ma vie, va te chercher un autre pigeon que tu vas pigeonner, moi c'est fini. Et la plainte, tu vas toujours la déposer? Mais évidemment. Je suis vraiment navrée d'entendre ça. Non, ce n'était pas toi d'être navrée, c'est moi. Tu vas aller en tôle, c'est tout. Ça y est, il revient à lui. Mon cher petit beau-frère, pourquoi n'as-tu pas juste fermé ta grande gueule, hein? Putain, pourquoi n'as-tu pas simplement fermé ta grande gueule? J'ai des ambitions, moi. J'ai des grandes ambitions. Et tu veux me cacher la vie avec tes pleurnicheries à la con?
Tu as eu une mésaventure. Mais avance. Avance. Ma soeur disait que tu l'aimais à la folie. Si tel était vraiment le cas, en découvrant qu'elle était l'auteur de ce vol, tu aurais dû lui pardonner. Si, si, mon cher. Tu aurais dû lui pardonner. Au lieu de ça, tu es en train de nous faire la guerre. Hmm? Et tu me réconfortes. Je me rends bien compte que je ne me trompais pas lorsque je lui disais que vous êtes tous des salopards. Et qu'il n'y a aucun amour qui puisse être plus grand que celui que je lui porte. Elle en doutait. Mais maintenant, elle est convaincue que j'ai raison. Hmm? Hein? Tu veux dire quelque chose? Oui. Quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'en penses-tu? On le laisse exprimer une dernière fois? Ouais, vas-y. Allez. Je te préviens, Danny. Si tu essayes de crier, je vais retirer ton scotch. Mais si tu essayes de crier, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je me connais. Hein? Si tu essayes si tu t'avises un tout petit peu de crier, n'essaye pas, je vais retirer ton scotch. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir nous dire qu'on ne sait pas déjà? Hein, mon petit Danny? Qu'est-ce que tu as à me dire, hein, Danny? S'il vous plaît, ne me tuez pas! Ne me tuez pas, s'il vous plaît! C'est ce que tu avais à dire. Épargnez ma vie! Maintenant, tu supplies? C'est trop tard, Danny. Je ne peux pas prendre le risque d'aller en prison à cause de toi. Pardonne-moi! Je vais retirer ma plainte! Vas-y. Au secours! Ça va te calmer. Oh, mais Tony, qu'est-ce que tu fais? On était censé les frayer, rien que ça. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi! Ferme-la! Je ne veux plus t'entendre! Je ne me tais pas! Tu veux partir en prison? Hein? Tu vois bien qu'il est vrai! Porte plainte! C'est le moment. Tu as l'occasion de te débarrasser de toute cette colère qui est en toi. Il t'a menti, manipulé, humilié. Si tu ne te venges pas maintenant, après il sera trop tard. Fais-le, sinon nous irons tous en prison. Regarde ce que tu m'obliges à faire. Danny. Je n'étais pas obligée d'en arriver là. Mais comme... Tu n'es qu'un menteur. Un salaud. Tu ne m'as jamais aimé. Je n'ai jamais compris pourquoi. On n'était pas obligé d'arriver là. Voilà. Tu me fais ça pourquoi? Plus personne ne va nous séparer. Personne. Thank you.
qu'est-ce qui t'a pris, Muriel? Qu'est-ce qui t'a pris? Oh, ça... J'étais un bon frère pour lui. Je n'ai jamais su comment le protéger. C'est de ma faute. Bonjour à tous, auditrices et auditeurs de la radio panafricaine. Bienvenue sur la 160.5 FM, Radio Génération Libre. Vous écoutez votre émission du soir, Société et Mœurs, où nous allons aborder un sujet inquiétant, devenu phénomène social. C'est cette multiplication de meurtres commis par de jeunes filles sur ceux qui sont censés être leurs petits amis. On a appris il y a quelques heures que le cadavre d'un jeune homme prometteur a été retrouvé dans son appartement gisant dans une mare de sang. La police a appréhendé les responsables du crime. Il s'agit de la petite amie du jeune homme en complicité avec son frère et l'ami de ce dernier pour de l'argent. Bonjour Muriel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Muriel? Vous me prenez pour une folle. Je n'ai rien insinué de la sorte. Ouais, c'est ça. Êtes-vous consciente de ce que vous avez fait? Non, mais enfin. Plusieurs personnes commettent des crimes atroces dans ce monde. Mais pourquoi c'est le mien qui s'est considéré comme étant le plus grave? Parce que beaucoup de gens aimeraient comprendre ce qui vous a amené à cet acte, si vous regrettez de l'avoir fait ou pas. Qu'est-ce que ça changerait? Aucun monde n'est revenu à la vie parce qu'un vivant a pu confesser. Cette acceptation n'est pas pour les morts, Muriel. C'est pour vous. Et si cette femme à qui vous avez enlevé son seul et unique enfant était là devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez?